Salut à tous et bienvenue sur Game On Itron. Merci de nous rejoindre, vous êtes bien sûr sur GameOnItron.fr. Vous pouvez aussi nous écouter sur Radio Campus Clermont-Ferrand tous les lundis de 21h à 22h en direct, tout à fait. Puisque oui, nous sommes Clermontois, le Puy-de-Dôme, l'Auvergne, le Puy du Saint-Nectaire, voilà, tout ça, du Cantal, voilà, tout ça, bref, des bonnes choses à manger, évidemment. Votre rendez-vous de jeux vidéo et de culture geek. On parle bouffe ce soir en fait. Eh ben, hey, ouais, ça peut être une thématique, la bouffe dans les jeux vidéo. Tu vois. Oui, remarque, c'est vrai que ça pourrait être un sujet. Je suis pas sûr qu'on ait beaucoup de choses, mais bon. On pourra parler du gâteau dans Portal. votre rendez-vous donc de jeux vidéo et de culture geek, hein, c'est aussi sur Facebook, sur Twitter, sur YouTube aussi. Vous pouvez nous écouter partout, voilà, partout. Ce soir, on a un programme qui est très bien. Je cherchais un mot, mais je ne le trouve pas. Il est plaisant. Voilà, qui est chibrant. Voilà, chibrant. J'étais en train de chercher chibrant. On a Pierre-Marie avec nous. Salut Pierre-Marie. Bonsoir Mathieu. Oui, ça va très bien. Bon, hein. Avec toi, on parlera de Day of the Tentacle, oui. Un vieux jeu qui a été remasterisé, qui est sorti sur pas mal de plateformes en téléchargement. Un jeu culte, hein. Dont tu vas nous en... Avec des tentacules. Exactement. Donc indispensable. Voilà, de toute façon... Tous les jeux avec des tentacules sont cultes. C'est une émission spéciale tentacule à peu près, non ? Bah, y a cuisine, tentacule et... On va trouver le troisième thème. Exactement. On va trouver. Y a Nico aussi autour de la table. Salut Nicolas, salut. Tu vas bien ? Ça va, ça la va. La forme ouais. Et tout. Et avec Nicolas, on parlera de jeux vidéo, on parlera de Adventure of Mana, qui est un remake d'un jeu très célèbre que je pense les trentenaires connaissent très très bien, pour ceux qui ont touché un peu de la Super NES et de la NES à l'époque. Ils sauront de quoi on parle, sorti sur iPhone et sur iOS. Et en fin d'émission, on fera une petite parenthèse manga animé, voilà. D'où les tentacules. Voilà, qu'est-ce qui est sorti ces derniers temps, quels sont les mangas et animés à regarder, ben, ça sera tout ça, ça sera dit dans cette nouvelle émission. Évidemment, on embrasse tous ceux qui peuvent tous ceux qui nous écoutent, hein. Voilà, je parlais du Cantal tout à l'heure, j'embrasse Stéphane, évidemment, notre Stéphane cantalien, évidemment, je l'embrasse. Je suis allé dans le Cantal il n'y a pas longtemps, c'était formidable, franchement. Pour aller voir Stéphane, justement, pour aller à la rencontre des auditeurs. Non, mais formidable, franchement, c'était génial, vive le Cantal, franchement, c'est des gens super reculants. Bref, j'embrasse évidemment mon cousin Paul, qui nous écoute de Normandie, très beau la Normandie, je t'embrasse Paul, à bientôt mon petit. Il fait des super bons pains au chocolat, donc respect pour lui. Oh putain. Bordel. Et j'embrasse aussi Mathéo, je crois que c'est son nom, qui nous a posté un petit commentaire sur Street Fighter 5, tout ça. Je ne me trompe pas, je crois que c'est son prénom. Mais merci Mathéo d'avoir écouté notre dernière émission. Et pour te répondre, parce que nous on disait que Street Fighter 5 c'était une honte, le jeu en tout cas. Puis toi tu me disais ouais mais non les gars, c'est pas une honte tout ça. Ouais, vraiment pour que tu comprennes, c'est vrai que nous on critique pas le jeu de combat en lui-même, on critiquait vraiment le contenu parce qu'il y a que 16 personnages jouables. C'est pas beaucoup quand on s'appelle Street Fighter, hein. C'est pas énorme, parce qu'on s'appelle Street Fighter, développé par Capcom, donc c'est quand même un gros nom, plus un gros studio. Et disons que voilà, ce qui m'a supporté, si tu veux, c'est qu'il y a d'autres jeux de baston qui sont un peu moins connus, mais qui sont très très bien, où pareil, ils commençaient avec 15-16 personnages, et on leur disait, bah, c'est pas assez. Que là, pour Street Fighter V, on a l'impression qu'on dit pas qu'il n'y a pas assez de contenu. Faut pas oublier que le mode histoire, il se torche en 3-4 combats. Il y a un mode survie, il y a un mode défi qui arrivera plus tard en DLC. Enfin, pourquoi il n'y est pas tout de suite ? Donc en gros, on fait que du mode en ligne. Et du coup, je trouve pas ça intéressant. Et disons, ce qu'on critiquait vraiment, Mathéo, c'est que... Il y a des jeux de combat qui ont beaucoup de contenu, qui ont 20-25 personnages, si ce n'est plus, qui ont un mode histoire élaboré, qui ont aussi plein d'autres modes de jeu et des modes de jeu parfois très originaux et qui ne sont pas forcément aussi bien notés, alors que même en termes de baston pur, ils sont aussi bons que Street Fighter, voilà, facilement. Donc si tu veux, voilà, c'était plutôt les notes par rapport au peu de contenu du jeu, même si tu me dis « ouais, ok, les DLC seront gratuits, ok, il n'y a pas de problème, les DLC, les futurs DLC seront gratuits », mais quand même, pourquoi ils n'ont pas tout mis d'un seul coup? Je veux dire, quand on s'appelle Street Fighter, on doit poser ses couilles sur la table et montrer qui est le patron et pas se faire lyncher par des petits studios qui ont proposé plus de persos, plus de contenu, et où t'en as plus pour ton argent, parce que quand t'achètes le jeu 70 boules et que t'as 16 pauvres persos, 3 modes de jeu et encore, je suis gentil, et qu'en gros, faut jouer en ligne... Bah, je trouve pas ça très 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 intéressant ni très honnête de la part de Capcom et d'un nom comme Street Fighter. Je pense que, enfin, Nico, t'es d'accord avec moi. Et tu parlais aussi des ventes.
Tu disais, ouais, il y a 500 000 ventes, c'est pas dégueu. Alors, ouais, c'est pas dégueu, je suis, effectivement, t'as pas tort. Il faut pas oublier que la semaine dernière, le jeu Street Fighter V s'est quand même fait largement doubler par Pokken Tournament. Au Japon, le pays du jeu de combat quand même, Pokken Tournament, c'est pas non plus une référence en la matière. Et d'ailleurs, Pokken Tournament, lui, s'est fait vraiment saquer dans les notes de ses jeux par rapport à la pauvreté de son contenu. Il y a 14 personnages jouables dans Pokémon Tournament, il y en a 16 sur Street Fighter, il y en a un qui s'est fait défoncer par l'autre. Voilà, c'est juste pour dire, je critique pas la baston de Street Fighter, mais franchement, Mathéo, tu t'avoueras qu'il y en a qui sont quand même plus méritants. Et qui mériterait peut-être d'être un peu meilleur. Mais en tout cas... Ouais, mais après, est-ce que c'est vraiment que au nombre de persos qu'on peut juger du contenu d'un jeu de combat? Bah oui. C'est aussi la question, parce que derrière, vaut mieux avoir 14 persos qui ont tous leur coup unique que 28 persos dont 14 sont... Non mais, d'accord, mais on s'appelle Street Fighter. Je veux dire, quand il y a d'autres jeux de baston qui arrivent à faire 30 personnages uniques... Tu vois ce que je veux dire? Oui. Moi, faut regarder la concurrence. Tu regardes The King of Fighters 13, tu regardes BlazBlue, tu regardes Arcana Earth, même parfois des tout petits jeux de baston. Ils ont au moins autant de personnages, voire même donc plus, là, pour le coup, et uniques. Et surtout, il y a certains d'entre eux qui proposent plus de modes de jeu, parce que Street Fighter V, à part le mode en ligne, franchement, il faut dire qu'il n'y a quasiment rien. Et c'est ça que je reproche, surtout pour un jeu à 70€, et surtout... quand on s'appelle Street Fighter, ce serait quelque chose de moins commercial, je dis pas, mais là c'est Street Fighter, c'est l'un des boss du jeu de baston, il se doit d'être la référence absolue, surtout là ce n'est pas le cas, et surtout que 16 personnages, on sait que dans Street Fighter il y en a beaucoup plus. Pourquoi ils sont pas là? Pourquoi il n'y a pas Bianca? Pourquoi il n'y a pas Guy? Pourquoi il n'y a pas Honda, des personnages références de la saga? Ils devraient être automatiquement là, plus des nouveaux personnages, c'est pas le cas, surtout quand tu sais que Street Fighter 5, il y aura Super Street Fighter 5, Ultra Super Street Fighter 5 après, puis qui auront voilà, aussi c'est pour faire toutes leur les suites, DLC, tout ça. C'est pour faire toutes les suites. Donc, si tu veux, pour le coup, voilà, par rapport à d'autres jeux de combat plus modestes et qui proposent plus de choses, je trouve que Street Fighter est pour moi une honte. Mais on ne critique pas la baston. Hein. Le jeu de baston est très bien calibré, tout ça. Il n'y a pas de souci. Ah, j'ai eu des très bons échos du gameplay. Donc, le gameplay, on ne critique pas du tout. Tout n'est pas acheté dans Street Fighter. Tout n'est vrai que n'est pas acheté. C'est cette stratégie d'en fournir qu'un petit peu dès le début et on sait qu'ils vont faire des sous avec tout ce qu'ils sortiront après. C'est ce que je reproche énormément au jeu. En tout cas Street Fighter, mais en tout cas Mathéo, merci de nous écouter, t'as un amour, mais surtout le plus important quand même Mathéo, surtout franchement faut quand même le dire, c'est que tu n'oublies pas la sortie de Ratchet & Clank le 14 avril prochain avec le film, il faut que t'ailles le voir absolument, c'est ce qu'il faut retenir sur ce débat de Street Fighter. Et là, le jeu sera complet, il y aura et, le jeu... et le film aussi, voilà, il faut que t'ailles voir Ratchet & Clank. Il n'y aura que Ratchet, Clank sera en DLC. N'importe quoi, Ratchet t'auras une oreille sur deux, t'sais. D'ailleurs, Mathieu, plus ça va et plus tu ressembles à Ratchet en fait. T'as les oreilles pointues qui commencent à pousser. La prochaine sortie du jeu, il se transforme. En fait, je rétrécis, je commence à utiliser des clés à molette. Et toi, Nico, t'es de plus en plus métallique. Enfin, c'est bizarre vous arrive, les gars. Toi, t'es de plus en plus gros. Tu ressemblerais pas à Quark? Merci, sympa. On n'a dit pas le physique. Allez, les enfants, c'est le temps de lancer la 106e émission de Game Onitron. Et on va commencer sans plus attendre avec le test d'un jeu absolument cultissime. Je veux bien sûr parler de Day of the Tentacle. Retour sur le plateau de Game Onitron pour parler de Day of the Tentacle et on fait appel à notre spécialiste des tentacules, Pierre-Marie. Et des point and click aussi, mais surtout des tentacules. Oui, surtout des tentacules. C'est très important. Mes ventouses sont prêtes. Bon, bref. Faut être tentaculaire dans cette émission. Ça. C'est ça, donc ouais, Day of the Tentacle, donc, qui est ressorti la semaine dernière en version remaster. À la base, c'est un jeu point and click sorti en 1993. Donc ça nous ramène au moins plusieurs années en arrière. J'avais 6 ans. Putain, ouais. Moi, techniquement, j'en avais 7 ou un truc comme ça. Enfin,
Bref, ça ne vous intéresse pas. Et qui est contre, déjà si voilà. con. Et par contre, voilà, donc c'est un jeu d'aventure point and click. Donc techniquement, c'est pas un jeu d'action-aventure comme on comparait à l'époque. Non, là, c'est un jeu d'aventure dans le sens où vous vous baladez dans divers lieux, vous récupérez des objets, vous parlez à des personnages et vous avez des énigmes à résoudre, soit en parlant au bon personnage de la bonne façon, soit en combinant des objets, etc. Donc ça, c'est le principe de base. Et cette période-là, ça correspond à la grande époque, au grand âge d'or de LucasArts pour les jeux d'aventure point and click. Oui, le studio LucasArts. Oui. Bah, à l'époque, il faisait LucasArts était connu pour deux choses. Les jeux Star Wars, parce que forcément, c'est le studio de jeux de Lucasfilm. Donc, George Lucas et tout ce qui est Star Wars, qui aujourd'hui, bien sûr, appartient à Disney comme toute la licence. Autant le studio LucasArts que les studios Lucasfilm. Ouais. Donc voilà, donc LucasArts était connu donc pour les jeux Star Wars et pour plusieurs point and click, donc il y a Monkey Island, les Sam & Max, etc. Et Day of the Tentacle, ou Tentacle, enfin c'est dur à dire, hein, le jour de la tentacule, hein, on va dire. Il innove par rapport aux jeux précédents de l'époque, parce que imaginez quand même un jeu en basse résolution, quoi, comme les jeux de l'époque, les jeux MS-DOS, donc celui-là étant sorti exclusivement sur PC. Mm-hmm. C'est en basse résolution, mais par contre les graphismes sont très cartoon, c'est-à-dire au lieu d'avoir quelques pixels qui sont animés comme ça, on va vraiment avoir des graphismes cartoon très bien animés. Et c'est vrai que pour l'époque, ça... On passait à la vitesse supérieure pour les point and click. Et les décors sont aussi dans un style très cartoon. Le jeu est entièrement doublé, donc voilà, c'est une sorte de cartoon jouable. Alors voilà, maintenant, bon, comme les jeux point and click de l'époque, le gameplay, ça consiste du coup à pointer et cliquer, donc ça se joue essentiellement à la souris, sachant qu'en bas de l'écran, on a notre inventaire d'un côté et divers verbes d'action qui vont nous permettre d'interagir avec l'environnement. Donc on peut regarder, la plupart des objets, on peut les regarder et notre personnage va commenter ce qu'il est en train de voir. Et bien sûr, on a des verbes comme pousser, tirer, parler, utiliser, prendre. Prendre qui est très important parce qu'on va se retrouver avec plein de... On va se retrouver... Nico a l'air d'accord avec ça, mais on va se retrouver avec tout un tas d'objets dans l'inventaire, que ça va de l'encre invisible à l'ouvre-boîte, au scalpel, etc. Et donc, le scénario du jeu, c'est qu'en fait, vous incarnez trois étudiants qui arrivent dans un manoir et ils doivent sauver le monde d'une tentacule... Les tentacules, c'est, imaginez juste une tentacule, donc pas de pieuvre, hein, rien attaché, juste une tentacule qui est comme ça, qui se tient droite, et du coup, elles peuvent parler, etc. Mais bon, c'est juste une tentacule, c'est juste une espèce de cône qui se déplace. Et en fait, il y a une des tentacules qui habite dans ce manoir, c'est un manoir de savant fou, qui a bu dans la sortie du manoir, et comme c'est un savant fou, c'est des déchets toxiques. En buvant dans la rivière de déchets toxiques, la tentacule a deux bras qui poussent, la tentacule violette, qui est la méchante, et du coup, une tentacule avec des bras, qu'est-ce que ça fait ? Ça essaye de conquérir le monde. Donc voilà, que ça violait des jeunes filles, moi, quand même. Enfin bref, on n'a pas vu les mêmes tentacules. C'est pas un jeu japonais. Non, mais voilà. Ce sera un jeu japonais, ça aurait peut-être poursuivi différemment l'histoire. Mais là, la tentacule pourpre veut simplement conquérir le monde, rien que ça. Et donc, tentacule verte, qui est une gentille tentacule et qui, elle, n'a pas de bras parce qu'elle n'a pas bu dans la rivière de déchets toxiques, va prévenir Bernard et ses amis, trois étudiants, qu'il y a un souci au manoir, etc. Donc, en fait, le manoir, ça vient d'un jeu précédent. En fait, c'est la suite d'un jeu précédent, mais très peu connu et... qui se passait déjà dans ce manoir et où il y avait déjà les tentacules. Mais voilà, Bernard donc, imaginez le gars avec des grosses lunettes noires, à peine de cheveux, une grosse chemise, etc. Enfin, le geek, quoi. Ça, c'est Bernard, c'est un des héros. Ensuite, il y a Oggy qui est plus le fan de métal, quoi, le fan de heavy metal. Donc, un gars un peu fort, on va dire, un peu gras, qui a énormément de cheveux, qui a une casquette vissée sur la tête et un grand t-shirt avec une tête de mort, donc fan de heavy metal. Et donc, ils sont colocataires aussi avec une étudiante en médecine, une blonde un peu fofolle, qui a un œil énorme, on sait pas pourquoi, juste pour montrer qu'elle est un peu fofolle, quoi. Et tous les trois arrivent dans ce manoir, et par la force des choses, en voulant essayer d'empêcher la tentacule pourpre de régner sur le monde, ils se retrouvent tous les trois à trois époques différentes. Donc, notre fan de heavy metal se retrouve deux siècles en arrière. Et
Donc, il se retrouve dans le même hôtel, mais 2 siècles en arrière. Et il a de la chance parce qu'à l'époque, les pères fondateurs des États-Unis, donc il y a George Washington et tout le tintouin, avaient choisi justement cet endroit pour signer la déclaration d'indépendance. Donc, c'est beaucoup de chance, mais il va pouvoir croiser George Washington, Benjamin Franklin, etc. Ouais, et Will Smith, avec tout ça, oui, Will Smith, également. Personnalité d'époque, évidemment. Tout à fait. Tout à fait. Je vois que tu t'y connais en histoire. Oui, je sais. Bernard, lui, il reste dans le présent, donc dans ce manoir à explorer qui a été converti en motel. Donc voilà, il y a plein de chambres et tout ça. Et donc l'étudiante en médecine, Laverne, se retrouve 2 siècles dans le futur, dans un monde qui est dominé par les tentacules. Donc c'est dans le futur où les tentacules ont gagné. Et du coup, les humains sont asservis. Donc elle va devoir s'infiltrer parmi les tentacules. Les humains se font tentaculer. En fait, les humains sont considérés comme des animaux. Donc, Laverne va devoir infiltrer ce monde. Et en fait, elle va devoir trouver un humain et lui faire participer à un concours de beauté pour humains. Elle est obligée, en fait, de gagner ce concours de beauté de faire gagner ce concours de beauté à un humain, plutôt. Parce c'est que pas elle... un peu barré. Alors, c'est très barré. C'est très loufoque. C'est complètement fou. Alors, justement, c'est... On va y revenir, c'est un des points qui peut être rébarbatif pour certains. Mais voilà, donc on a ces trois personnages dans 3 époques différentes. Et en fait, à tout moment, enfin du moins à partir du moment où on les aura libérés, parce que du coup, du début, on contrôle que Bernard, après on débloque Oggy, après on a Laverne, et après on peut passer dans les trois, entre les trois plutôt, autant de fois qu'on veut, à notre guise. On peut même se passer des objets d'une époque à l'autre, ce qui va être indispensable pour certaines énigmes, mais seulement des objets inanimés, donc on ne peut pas envoyer le hamster dans le futur par les moyens classiques, par les machines à voyager dans le temps. On va être obligé d'utiliser d'autres moyens, par exemple de cryogéniser le hamster et le reste de l'énigme, mais encore une fois, heureusement que dans le futur il y a des micro-ondes qui permettent de décongeler les hamsters sans les exploser. Voilà. Parce que dans le jeu original, tu pouvais vraiment exploser un hamster, mais ton personnage se faisait capter par le propriétaire du hamster et tu mourrais. D'accord. Là, dans Day of the Tentacle, on ne peut pas mourir, on ne peut pas être bloqué, on ne peut pas mettre le jeu dans un état où il est impossible à résoudre. Ce qui était le cas dans Maniac Mansion, le jeu précédent. Mais là, voilà, c'est un jeu un peu plus permissif, donc le joueur est encouragé à essayer plein de choses. On va plus être bloqué pour les énigmes. Alors, c'est des énigmes qui, en elles-mêmes, sont assez logiques, mais c'est dans un registre, en fait, c'est dans un registre absurde. C'est-à-dire... Tout ce qu'on va faire, les actions vont avoir un lien logique entre elles, c'est-à-dire on ne va pas utiliser une banane pour ouvrir une porte, ça c'est logique. Par contre, ça va être, des fois ça va être des gags, ça va être basé sur des gags. Par exemple, à un moment vous allez avoir besoin de faire pleuvoir, et pour faire pleuvoir, comment vous faites? Vous prenez une brosse et vous nettoyez une voiture, quoi. Parce qu'à chaque fois qu'on nettoie sa voiture, il pleut. Ok, voilà. D'accord. Donc c'est voilà. Donc c'est pour ça, je sais ça que c'est... Ça déconne dans les années 90, non, hein, attention. Mais voilà. Non, mais je sais que c'est rébarbatif pour certains. Alors, il y a des blagues. Il y a des énigmes qu'on peut appeler blagues, finalement, pour certains. Oui, ça, oui. Mais il y a des énigmes qui sont très logiques, qui tombent sous le sens. Il y en a d'autres où il faut vraiment se mettre dans cet état d'esprit. D'accord. Et voilà, je pense que c'est vraiment... Le résultat est drôle, je pense. Voilà, le résultat est drôle, mais je pense que c'est vraiment le type... On aime ou on n'aime pas. C'est comme, pour moi, c'est comme un film, c'est comme les films des Monty Python, quoi. Il y en a qui vont accrocher à leur humour, il y en a qui vont directement détester, et c'est un peu cet humour à la Monty Python qui est omniprésent dans Day of the Tentacle. Donc voilà, et chacun des personnages a son objectif. Celui qui est dans le futur et dans le passé doivent tous les deux réussir à alimenter leur chrono-WC, parce que oui, ils voyagent dans les chrono-WC, hein, je vous l'ai pas dit, mais c'est des espèces de toilettes, quoi, un peu comme les toilettes sur les chantiers, quoi, mais qui voyagent dans le temps. Voilà, et Bernard, dans le présent, va devoir trouver un diamant. Donc oui, pas évident, on va devoir trouver un diamant pour alimenter la machine à voyager dans le temps. Le tout en étant à chaque fois en huis clos dans le manoir, mais manoir à 3 époques différentes. Donc voilà, c'est un des jeux qui est vu assez comme un jeu culte. Par curiosité, j'étais un peu voir les critiques à la sortie du remake. J'ai vu des notes qui étaient...
presque exagéré, j'ai trouvé, parce que je crois, genre, sur Gamekult, il a eu 9, sur jeux vidéo, il a eu 19. Je me suis dit, ouais, c'est un très bon jeu, mais de là à... Enfin, il y en a, tu les écouterais, c'est limite le jeu de l'année, quoi. Alors qu'on se calme, il est sorti en 93. Cela dit, après, alors, le remake est bien fait. En fait, ils ont rehaussé les graphismes, et même si le jeu d'origine est très agréable à l'œil, le fait de l'avoir rehaussé comme ça, alors j'ai acheté le remake et je l'ai fait en entier, c'est vrai que ça rend très bien et ça rend le jeu carrément plus confortable à jouer, surtout si vous jouez sur grand écran. J'ai aussi essayé les nouveaux contrôles, donc à la souris, le remake, même de manière générale, on peut à tout moment permuter entre l'ancien mode, les anciens graphismes et système de jeu et le nouveau. Donc le nouveau à la souris est très bien fait. On a beaucoup moins d'aller-retour à faire parce que plutôt que d'avoir les verbes en bas de l'écran, on les a directement autour du curseur. Tu cliques sur ton objet et tu choisis le verbe d'action. Et j'ai aussi essayé d'y jouer à la manette. Et pareil, à la manette, c'est assez bien fait. On dirige le curseur avec le stick, et après pareil, on sélectionne les actions dans le sous-menu. Ça prend un petit peu de temps pour se familiariser, mais c'est très bien fait. Donc que dire, si quelqu'un n'a jamais joué au jeu d'aventure, c'est typiquement le genre de jeu par lequel je conseille de commencer, parce que c'est un assez bon résumé de ce que sont les jeux d'aventure en général. Après, effectivement, il faut être réceptif à l'humour très absurde. Mais voilà, c'est un jeu vidéo bourré d'humour, bourré de cinématiques, bourré de grands moments et bourré d'actions qui ont des répercussions. Parce que là, effectivement, quand on change le passé, ça change le futur. Et voilà. Comment dire, c'est un très bon jeu, moi je le conseille. Oui. Je voulais demander un truc. Alors il me semble, je sais plus si je me trompe pas, que on pouvait jouer à Maniac Mansion dans le jeu d'origine. Tout à fait. Et est-ce qu'ils l'ont laissé pour le remake ou est-ce qu'ils l'ont supprimé, Maniac Mansion, du coup? Alors est-ce oui. que tu sais s'ils l'ont laissé ou s'ils l'ont enlevé? Ouais, parce que j'ai essayé, du coup j'étais curieux de le voir. Donc effectivement, dans le jeu d'origine, on pouvait accéder à un PC et jouer à Maniac Mansion, le premier jeu, du coup. Et en fait, là, dans le remake, ils l'ont laissé. Par contre, ce sera Maniac Mansion en anglais. Ce qui est un peu dommage parce que le jeu existe intégralement en français. Et moi, à l'époque, j'avais la version CD de Day of the Tentacle. Et du coup, ils avaient bien intégré aussi Maniac Mansion en français. Mais bon, Maniac Mansion, celui-là est vraiment... celui-là, c'est pas celui que je conseille parce qu'il est vraiment punitif. Enfin, vous avez le choix entre trois personnages, donc déjà vous pouvez vous gourer en prenant pas les bons personnages pour finir l'aventure. Je crois qu'il y a très peu de chances de pas pouvoir finir l'aventure, mais vos personnages peuvent se faire emprisonner, ils peuvent mourir, donc le jeu peut être la partie peut vite être sabotée dans Maniac Mansion. Donc ça c'est vraiment bourrin. Ouais, mais jeu. Pour ceux qui seraient curieux, ils peuvent y jouer avec un remake de Deus Ex Tentacle. D'ailleurs, il y a même un trophée pour y jouer et je crois qu'il y a un trophée pour exploser le hamster dans ce jeu là quoi. On joue pas pour les trophées, mais c'est mon Dieu. C'est de la maltraitance. Il paraît que sur PS4 et PS Vita, il y a de gros problèmes de sauvegarde apparemment sur Day of the Tentacle, de sauvegarde corrompue. Regarde pas, j'ai pas acheté. Je suis en merde. Donc, j'ai lu ça. Je sais pas s'ils l'ont corrigé ou pas, mais bon. Mais je trouve ça honteux parce que bon, déjà c'est ça coûte une quinzaine d'euros alors que il n'y a pas eu tant de travail dessus, quoi. Ça reste un remake, donc toute la base du jeu était faite. Donc certes, il y a eu du travail, mais 15 euros, ça reste. Je trouve que ça reste une somme, même si vous allez vous amuser. Mais derrière, ils ont laissé plein de bugs qui existaient dans le jeu original. Enfin, il n'y en a pas énormément, mais il y en a quelques-uns. Ils les ont laissés, alors qu'ils auraient pu le corriger. Il y a des versions pirates, on va dire, sur PC qui ont corrigé les bugs, donc ils pouvaient le faire, quoi. Et surtout, ouais, j'ai entendu ces problèmes de sauvegarde. Et pour un jeu d'aventure où la sauvegarde, c'est critique, c'est particulièrement intolérable. Tous les problèmes de sauvegarde, quel que soit le jeu, sont intolérables. Oui. Non mais faut dire. Ah non, mais c'est clair. Soit Day of the Tentacle ou Call of Duty ou je sais pas qui, n'importe qui, non, ça c'est intolérable. Merci Pierre-Marie pour Day of the Tentacle. Merci à vous. Qui, je le répète, est disponible autour de 15 € hein, sur les plateformes de téléchargement dans une version remaster si vous voulez faire ce jeu culte. Jeu culte, on reste avec, puisqu'on va parler tout de suite de Adventure of Mana.
Adventure of Mana, mon cher Nico. Alors moi, quand j'entends Adventure of Mana, ça me fait penser à un jeu qui est culte pour beaucoup de trentenaires. C'était Secret of Mana. Oui, oui, est-ce que ça a un rapport? Mais oui, bien sûr. Tout à fait. Je ne comprends pas. Explique-moi. En fait, Adventure of Mana, c'est le remake de Mystic Quest, en fait, du jeu qu'on a eu sous le nom de Mystic Quest en France, mais qui s'appelle Seiken Densetsu au Japon. Donc, il était sorti sur Game Boy en 1991. Et en fait, ce Mystic Quest, c'est le premier épisode de la série des Mana. Donc, Secret of Mana, c'est la suite de Mystic Quest. C'est le 2, en fait. Et ensuite, il y a eu d'autres épisodes. Bon, c'est une série qui est un peu passée aux oubliettes depuis quelques temps. Enfin, disons que c'est plus la priorité de Square. Et donc, ce Mystic Quest avait déjà connu un remake en 2003 sur Game Boy Advance qui s'appelait Sword of Mana. Enfin, moi, j'ai trouvé excellent. Donc, le jeu était entièrement refait. Ils avaient beaucoup étoffé l'histoire puisqu'elle était assez basique. Pour l'époque, en 1940, c'était assez basique. Donc, ils avaient rajouté des persos, ils avaient rajouté des scènes, des liens entre les personnages. C'était un vrai remake pour la musique, pour le chara-design, tout ça. Donc, très très bien fait. Et donc là, on a un autre remake qui s'appelle Adventure of Mana, mais qui cette fois-ci se veut être une copie conforme du jeu original, donc du Mystic Quest de 1991. Exception faite, bien sûr, d'une amélioration graphisme par rapport à la Game Boy, bien évidemment. Donc en fait, dans ce jeu, on incarne un personnage qui n'a pas de nom, on le nomme... le no-name. On le nomme comme on veut. Donc c'est un gladiateur au royaume de Glaive. En gros, il passe ses journées à combattre des monstres dans des arènes pour le bon plaisir du roi noir qui est le souverain de ce royaume. Un jour, son meilleur ami meurt de ses blessures suite à un combat. Il va demander à notre héros de s'enfuir et de trouver Sir Bogard, donc un chevalier gemme apparemment. Donc c'est des chevaliers légendaires qui sont censés avoir vécu il y a très très longtemps pendant une grande guerre. Qui passent leur vie sur Facebook. C'est ça. Parce que c'est les chevaliers gemme. Oh, putain. Donc notre héros parvient à s'enfuir de sa prison. Il va tomber sur le roi noir et son conseiller Julius. Ils sont tous les deux au pied d'une immense cascade. En gros, apparemment, au sommet de cette chute d'eau se trouve le sanctuaire de l'arbre Mana, donc qui est un arbre qui alimente le monde en énergie. Mmh. Et ils cherchent tous les deux un moyen d'entrer dans ce sanctuaire pour s'approprier la puissance de l'arbre de Mana et conquérir le monde. Méchant. Donc le roi noir va voir que notre héros les espionne, il va le précipiter du haut d'une falaise. Bien sûr, on va survivre à nos blessures. C'est logique. Et donc après quelques... ne sachant pas trop où il est, donc le héros va se balader un peu. Il va tomber sur une jeune femme qui se fait attaquer par des monstres. Mmh. Et elle va lui dire qu'elle est à la recherche, elle est à la recherche de ce fameux Bogard, donc le chevalier que le héros doit chercher aussi. Et elle va nous demander de l'accompagner. Et donc à partir de là va commencer l'aventure de nos deux personnages. Donc comme je disais, en fait, ce remake, mis à part une amélioration graphisme avec une espèce de 3D qui est quand même assez pauvre, il faut bien le dire, le jeu est identique en tout point à la version Game Boy. C'est à dire que, pour reprendre un peu ce que je disais par rapport au premier Zelda où on était un peu lâché au milieu de nulle part et il fallait se démerder, Mystic Quest c'est exactement pareil. Donc on va arriver dans... Une fois qu'on a rencontré la fille, on se démerde pour trouver où elle est. Donc en se promenant, on pourra tomber ou pas si on le loupe complètement sur un village. Où là, il y a des mecs qui vont nous dire qu'ils connaissent un vieillard qui vit dans une cabane à l'est. Bon, qu'est-ce que c'est le type qu'on cherche? Pas du tout, on sait pas du tout. Et tout le jeu, c'est comme ça. On va donner des indications, mais très très évasives. Genre, il faut que tu ailles à l'ouest, il faut que tu passes le désert, que tu ailles au nord. Ouais. Après, c'est à nous de nous démerder pour trouver, en gros, notre objectif, finalement. Donc, c'est un action RPG, le jeu. C'est-à-dire qu'on va taper les ennemis en... Les combats se font en temps réel, on va taper les ennemis. Donc on a plusieurs types d'armements pour se défendre. À noter que les armes ont d'autres fonctions que de simplement donner des coups. C'est-à-dire qu'au début, on va récupérer une hache qui permettra de couper des arbres et donc de franchir certains passages qui sont obstrués. On aura un fouet pour franchir des précipices. En fait, on s'agrippe de l'autre côté du précipice et on peut le franchir. Donc tout un tas d'armes qui vont nous permettre d'avancer dans le jeu. Pour utiliser de la magie aussi, donc magie de soins, magie de boule de feu, de boule de glace, enfin tout un tas de boule sorts, de glace vanille ou ouais, c'est ça, tout un tas de sorts bien sympas.
Et donc, et de temps en temps, on sera accompagné d'un PNJ. Donc au début, on a la jeune fille qui nous accompagne. Bon, elle va se faire kidnapper assez rapidement. Donc au niveau de l'IA, les PNJ ne servent absolument à rien. C'est-à-dire qu'il ne faudra pas compter sur eux pour attaquer des ennemis. En fait, ils font que se balader comme des cons sur l'écran. Et de temps en temps, ils balancent une attaque, mais ça loupe une fois sur deux. En fait, ils servent surtout pour une fonction. En fait, ils ont chacun un pouvoir qu'on pourra utiliser à tout moment. Par exemple, la fille peut nous régénérer. D'accord. Et c'est un pouvoir qui est complètement gratuit et qu'on peut utiliser tout le temps. Et chaque personnage aura une capacité qui pourra nous aider. Par exemple, au moment où il y aura un nain, on sera dans une mine, on sera accompagné d'un nain. Quand on utilise sa fonction d'aide, en gros, on aura accès à sa boutique. Genre, s'il nous manque des objets de soi, on peut les acheter directement. D'accord. Directement avec lui. Donc, moi, Mystic Quest, c'est un jeu que j'ai fait sur Game Boy à l'époque, que j'ai absolument adoré. Je l'ai fait des dizaines et des dizaines de fois. Donc, j'étais super content de voir même si j'aime beaucoup Sword of Mana, je reste quand même nostalgique du Mystic Quest la Game Boy. Et moi, ce remake, je trouve super, parce que je retrouverai vraiment le jeu, les sensations que j'avais sur le jeu quand j'étais gamin. Ce que je regrette un peu, c'est qu'il y a une version Vita du jeu, sur PS Vita, mais qui n'est sortie qu'au Japon. On n'a que la version téléphone et je ne supporte pas les contrôles tactiles au téléphone. Enfin, si j'ai pas une manette, la sensation d'une manette, j'ai vraiment beaucoup de mal à jouer. Je peux le comprendre. C'est con, la traduction était faite pour téléphone. Ils auraient aussi pu sortir le jeu en Vita, même en démat. La Vita ne marche plus. Square Enix, il y a des gens qui ont envoyé des mails à Square Enix pour que la version Vita soit sorte en dehors du Japon. Ils ont dit qu'ils allaient peut-être le faire. Peut-être y réfléchir. Non, on fait une pétition, on sera sûr d'être entendu. Ce que je trouve aussi très dommage, c'est que le jeu est en anglais, alors que Mystic Quest, l'épisode Game Boy, ainsi que Sword of Mana, ont tous les deux été traduits en français. Ouais. Donc, vraiment pas se faire chier, je pense que tu peux te la mettre au cul, ta version Vita. Oui, non, mais à mon avis, la version Vita, c'est pas la peine. Je sais pas s'il a un port pour cartouche Vita au cul, Nico. Mais il est en japonais. Oui, puis en plus, il n'est pas sorti en version en physique, le jeu, même sur PS Vita, c'est que en téléchargement. C'est qu'en démat. Ouais. Donc tu peux pas te le mettre au cul. Exactement. Il faut en télécharger. Ils ont fait un super travail au niveau des musiques qui ont été très très bien remixées par rapport au jeu d'origine. Donc là, vraiment un beau boulot. Je trouve que les sprites des personnages et des boss, les personnages et les boss sont assez bien foutus, sont assez bien modélisés. C'est plutôt un design plutôt mignon, plutôt sympa. Donc il n'est pas le même que celui qu'ils avaient fait pour Sword of Mana. Ils ont complètement rechangé tout. Donc voilà, moi j'ai beaucoup aimé le jeu. Après, je conseillerais peut-être plus Sword of Mana, en fait, qui est plus accessible finalement. Bon, c'était à l'époque sur Game Boy Advance. Ouais, que Mystic Quest. Mais bon, s'il y en a qui ont envie de se faire un bon action RPG. Est-ce qu'il est long ? Il faut une vingtaine d'heures pour le finir. Et c'était quoi son prix ? Il est à 15€ sur iPhone. C'est cher aussi pour un jeu de remake d'un jeu de 91, quand même. Les gars, j'ai pas vendu du rêve ce soir, les enfants, hein ? Non, on a vendu des jeux. Ouais, c'est un peu ça. On a fait le tour. Bah ouais, donc moi je le conseille pour ceux qui veulent se faire un bon petit action RPG. On fera de ces quatre une émission sur Seikei Densetsu, toute la saga des manas. Oui, on remarque que ça pourrait être sympa. Il y a des beaux jeux à parler, notamment les trois premiers, quoi. Les trois premiers, enfin Sword of Mana, Secret of Mana, Seikei Densetsu 3 et tout. Non, mais il y a eu des bons jeux jusqu'à que la série perde un peu en intensité. À notre regretté série Mana. Merci, merci Nicolas. On va finir, les enfants, l'émission avec une parenthèse manga animé. C'est tout de suite. Sama yori tomo no mo, toba doi komo no mo, subete.
Allez, c'est le moment de parler de manga et d'anime pour voir voilà, qu'est-ce qu'on peut vous conseiller comme série, tout ça. Et on va commencer tout de suite par une série coup de cœur et coup de poing pour Nico et moi-même. Il s'agit de Erased. Alors, si vous n'avez pas encore entendu parler de ce manga qui est en ce moment adapté en animé, eh ben, il va falloir vous ruer dessus à toute vitesse. Alors, Erased, c'est le manga de Kei Sanbe. Alors, ce monsieur, en fait, il s'est fait connaître, il a eu son petit public avec des petites œuvres comme l'île de Ozuki ou encore le berceau des esprits, voilà, des séries assez courtes, 4 volumes pour la première, 6 volumes je crois pour la deuxième. Mais il a son propre style de dessin, il a des histoires qui sont assez intéressantes. Et donc Erased, c'était donc son nouveau manga qui est en 8 volumes. Alors actuellement en France, il y a 6 volumes qui sont sortis. Alors Erased, tout de suite, ça parle de quoi ? C'est l'histoire de Satoru. Alors c'est le héros du manga. Satoru, il a à peu près une trentaine d'années, un tout petit peu moins. Alors, il aspire à être mangaka, mais en attendant de se faire connaître, il est livreur de pizza hein, pour gagner un peu d'argent. Alors, et ce garçon, en fait, il a un pouvoir particulier, c'est-à-dire qu'on est dans notre monde, hein, le monde réel, tout ça, il n'y a rien de spécial. Et en fait, ce monsieur, en fait, il a un pouvoir spécial, c'est qu'il fait des rediffusion, c'est le nom qu'il a donné à son pouvoir. C'est-à-dire qu'il y a des moments, en fait, par exemple, il est en train de livrer une pizza, et là, d'un seul coup, il a une espèce de sensation, il sent que quelque chose va se produire. Un accident, quelque chose de grave va arriver, et en fait, il a un pouvoir qui ne s'explique pas, et d'ailleurs, je crois que ça ne sera jamais vraiment expliqué, hein, voilà, il ne faut pas chercher l'explication à ça. Il va revenir 5 minutes en arrière. Et en fait, en 5 minutes, il va falloir qu'il découvre qu'est-ce qui n'allait pas dans la situation. Et il va comprendre, par exemple, là, il était en train de livrer ses pizzas, qu'il y a quelqu'un dans son camion, en fait, qui a un malaise. Et il y a un gamin qui traverse la route. Et en fait, et ben, en voyant ça, en fait, son but, ça va être d'essayer de réveiller le gars ou d'aller sauver le garçon, quoi. Donc, et ben, là, sur le moment, il y arrive, sauf que ben, c'est un humain, hein, Satoru, c'est pas un super-héros. Il arrive à sauver le garçon, mais il est... Satoru se retrouve malheureusement un peu accidenté. Voilà. Bon, il se retrouve à l'hôpital, ça va, il a des contusions assez légères, tout va bien. Il y a sa maman qui vient le voir pour quand même prendre de ses nouvelles, tout ça. Et suite à une série d'événements qui vont être plutôt tragiques et aussi une nouvelle sensation qui va trouver un peu bizarre, qui d'ailleurs précède généralement une rediffusion, sauf que là, ça ne se passe pas tout de suite, eh ben, il va y avoir un décès proche de lui. Et dans toute la folie de cette situation, eh bien, Satoru va revivre une rediffusion, sauf que là, il n'est pas ramené 5 minutes en arrière, mais 18 ans en arrière, à l'époque où il a une dizaine d'années, il est encore à l'école primaire. Donc c'est le choc total. Donc là, je vous raconte vraiment, c'est le début du manga, le début de l'adaptation animée également. 18 ans en arrière, à une époque, donc, lui, tout va bien, mais évidemment, il a toutes ses connaissances d'adulte, il les a encore à ce moment-là, en fait. C'est-à-dire que c'est un adulte qui est dans le corps d'un. C'est son esprit d'adulte qui se trouve dans le corps d'enfant. Il a 10 ans, mais il sait tout ce qui s'est passé. C'est l'effet papillon, en fait, ton truc. Pendant ses 18 ans. Et en fait, il arrive à une époque qui est particulière, et sur le moment, évidemment, il ne comprend évidemment pas pourquoi il se retrouve projeté aussi loin en arrière. En fait, il se retrouve à une époque où, dans son école, il y a eu une série d'enlèvements, de kidnappings, suivis de meurtres de trois jeunes filles. Et il se souvient qu'à l'époque, la personne qui avait été suspectée puis arrêtée, eh bien, Satoru était persuadé que le garçon qui avait été arrêté pour ses kidnappings et ses meurtres, eh bien, ce n'était pas lui, l'auteur des faits. Et en fait, eh bien, de se retrouver dans cette période-là, eh bien, il va se dire qu'il va en profiter pour aller sauver ces trois jeunes filles, parce qu'elles avaient toutes un cas un petit peu particulier, notamment la première, puisque la jeune Kayo, qui va se faire quelques jours plus tard enlevée et tuée dans l'époque qu'a connue Satoru, eh bien, il s'est rendu compte que cette jeune fille était toujours à l'écart des autres, qu'elle n'avait pas forcément d'amis, voilà, et qu'en plus de ça, sa maman la battait et tout. Enfin bref, il y a toute une histoire par rapport à ça. Et donc, Satoru va essayer et de la sauver de son ravisseur, qui d'ailleurs pense être peut-être sa mère, au passage, vu que sa mère l'a battée. Et voilà, en gros, va essayer de s'attirer l'amitié de cette jeune fille et des autres
pour pouvoir les sauver de leur mort qui peut paraître assez inéductable. Voilà, c'est le pitch de Erase. Je vous en dis pas plus parce que franchement, Erase, alors que ça soit donc les mangas comme l'adaptation animée qui est en 12 épisodes hein, actuellement sur Wakanim. Qui est fini d'ailleurs, le dernier épisode c'était la semaine dernière. Sur Wakanim, c'est juste excellentissime. Il y a un suspense excellent, surtout que tout est fait de façon réaliste, c'est-à-dire que le Satoru enfant, la façon dont il va mener son enquête, eh bien c'est tout est fait avec ce qui peu en fait, hein. C'est-à-dire qu'il n'y aura pas, il n'y a pas de, de subterfuge, il n'y a pas de gadget, tout est fait avec ses pensées à lui, il va vraiment essayer de s'en sortir et tout est super bien mené, tout est magnifiquement ficelé et franchement, Erase, c'est le manga et l'animé à voir absolument cette année, c'est, pour moi c'est le truc à voir, vraiment. C'est pas Moi, je suis tout à fait d'accord. Alors moi j'ai pas lu le manga, j'ai vu que l'animé et qui m'a vraiment scotché dès le début, dès le premier épisode surtout. Donc quand il se retrouve en 1988, mais tu te dis mais pourquoi, comment, qu'est-ce qui se passe. Et à chaque épisode, on est vraiment tenu en haleine. Il y a juste un petit reproche que je ferais à l'animé que tu m'avais dit par rapport au manga, c'est qu'on nous spoile peut-être trop rapidement. Enfin, on peut deviner trop rapidement l'identité la personne qui fait ses qui commet ses méfaits. Effectivement, le c'est qui dans le manga. C'est ta mère. Dans le manga, c'est un petit peu plus. Moi, ça me paraissait moins évident. Moi, j'avais compris très assez vite en fait finalement. Ouais. C'est peut-être ça qui est dommage effectivement. Mais en tout cas, il faut le voir absolument. Je pense que c'est pour l'instant la meilleure œuvre de cet auteur, donc Kei Sanbe, Erase, donc à aller lire ou à aller regarder sur Wakanim. C'est un vrai conseil que je vous donne. On en revient au manga, si je peux vous conseiller un autre manga qui commence peut-être petit à petit à se faire connaître, mais j'espère qu'il va devenir plus populaire. Alors lui n'a pas d'adaptation animée, en tout cas à part pour le moment, mais je pense que ça devrait être assez compliqué de l'adapter. Vous allez comprendre pourquoi. Il a un nom tout con, il s'appelle Area 51. Alors oui, le nom fait pas rêver, on se dit putain, un truc d'extraterrestre, tout ça. Alors pas du tout. Pas du tout. En fait, c'est le manga de Masato Issa, je ne connais pas, il n'a pas forcément fait d'autres œuvres avant. On est en fait, si vous voulez, on est dans notre monde à nous, mais en fait, l'Area 51 est une zone où sont réunies absolument toutes les créatures et légendes qui peuvent exister dans notre monde. C'est-à-dire que vous avez par exemple tous les dieux grecs qui sont dans l'Area 51. Alors, ils sont représentés de façon moderne, c'est-à-dire que par exemple, Zeus se balade avec un costume cravate, vous voyez, c'est un peu ce délire-là, mais c'est le vrai Zeus qui manipule la foudre. Mais en fait, il y a tout. C'est-à-dire qu'il y a tout, par exemple, toutes les bestioles de la mythologie japonaise, y sont toutes. C'est vraiment un univers fourre-tout. Il y a des dieux aztèques, il y a des trucs européens. Enfin, vraiment, on mélange de tout, même des objets, des artefacts mythologiques, antiques, qui ont existé ou non. Tout est réuni là-dedans. En fait, tout ce qui fait des légendes sont réunis dans cet univers. C'est des personnages, quoi. Et en fait, dans cet univers, et donc, il y a une fille, une femme détective qui s'appelle McCoy qui résout diverses affaires parce que même si c'est un univers avec des personnages un peu extraordinaires, il y a quand même des affaires de kidnapping, de meurtre, d'enlèvement de tout genre, etc., etc. Et donc, on fait appel à elle et ses services pour essayer de résoudre ces affaires. Alors, elle est accompagnée de son arme à feu, qui est un Tsukumo. Alors, dans cet univers, le Tsukumo, en fait, c'est une arme en fait, qui parle. Voilà, comme dans Shadow of the Damned, si pour ceux qui connaissent le jeu, l'arme, elle parle et tout. Et puis, elle a une énergie qui est limitée, c'est-à-dire qu'elle peut tirer quelques fois, puis au bout d'un moment, le machin, il s'endort, donc il ne sert à rien, en gros. Et elle a un adjoint, c'est un kappa. Vous savez, les kappas, c'est des espèces de grenouilles qu'on voit dans la mythologie japonaise, notamment. Et bien, c'est un kappa, mais en costard-cravate, tout ça. Vraiment, l'adjoint parfait et tout. Et donc, McCoy, on est dans un univers donc, qui est particulier et ce qui le rend particulier, malgré ce côté peut-être qui vous paraît peut-être un peu classique, c'est que déjà le dessin, en fait, c'est une nuance entre le noir et le blanc. Si vous voyez à quoi ressemble Sin City, que ce soit le film ou même le comics, en fait, c'est ça. C'est-à-dire que toutes les formes, c'est un mélange d'ombre et de lumière. Et c'est super réussi parce qu'il y a vraiment un style unique. Moi, j'ai rarement vu ça ailleurs, à part justement dans Sin City, où les dominantes de couleurs, c'est le noir, le gris et le blanc. Et en fait, dans le manga de Masato Issa, en fait, c'est pareil. C'est vraiment des différences de nuances entre le noir, le blanc et le gris, en fait. Et tout est
on voit tout. Hein, c'est, je veux dire, il y a pas de, comment dire, c'est pas abstrait, hein, loin de là. On voit vraiment toutes les formes des bâtiments, des personnages, etc. Mais c'est vrai qu'il y a un style graphique qui est vraiment unique pour ce manga. Pour faire une autre référence de jeu vidéo, ça fait penser aussi à Mad World, le jeu sur Wii qui était en noir et blanc. C'est exactement le même style. Il y a zéro couleur, hein, vraiment, contrairement à Mad World où il y avait du sang, et des tripes et des boyaux. Là, il y en a pas du tout. Et en fait, voilà, au début, on va vraiment voir des petites histoires qui vont impliquer McCoy. Mais au bout d'un moment, en fait, on va avoir quelque chose qui va un peu plus nous intriguer, puisque à un moment donné, il y a un ami de l'adjoint, donc du CAPA, qui va venir, tout ça, les deux vont aller boire un verre, ouais, nanana, ouais, ça va et tout, machin, ouais, ça va, super, la forme, tout ça. Et puis, ben, le pote va dire, bon, on en est où de notre affaire? Et là, donc, l'adjoint de McCoy, qui est un excellent personnage, hein, en plus de ça, elle a de l'humour, elle est assez sarcastique, enfin, elle a beaucoup de personnalité. En fait, voilà, il se trouve que l'inspecteur McCoy a quelque chose dans son corps. Elle a la lame de Kusanagi. Alors, vous savez, cette épée, qui vient de la mythologie japonaise, n'est-ce pas, mon cher Pierre-Marie ? Tout à fait. Tout à fait, Thierry. Qu'on peut voir, on en parle dans Okami, le jeu vidéo, par exemple. Elle a ça dans son corps. Et en fait, cette épée appartient au Kappa. Justement, c'est les Kappa qui en étaient les propriétaires. Et donc, tout de suite, eh ben, l'histoire change de dimension. Déjà, pourquoi McCoy a ça dans son corps? Parce que, a priori, ben, enfin, non, c'est pas a priori, les épées enchantées comme celle-ci, en fait, servent à faire vivre des morts. Vous voyez le truc? Et en fait, eh ben, on va commencer à partir sur ça, et je vous jure que l'histoire va vraiment devenir de plus en plus passionnante. Les deux premiers volumes, justement, sont là pour vraiment poser l'univers, un peu l'humour du personnage, et après, on va commencer à rentrer vraiment dans le vif du sujet, et à voir justement quelque chose de beaucoup plus fourni, de beaucoup plus passionnant, qui a tourné autour de l'inspectrice, de la détective McCoy. Et franchement, ça va devenir super passionnant. Pour l'instant, il y a 6 volumes qui sont sortis. On attend les autres. Ça a vraiment, alors malgré un nom très basique, hein, Area 51, ça ne fait pas vendre du rêve. Malgré un nom très très basique, il y a vraiment un style graphique propre à l'auteur. Et en plus de ça, une histoire qui prend vraiment de la valeur au fur et à mesure de vos pages. Franchement, c'est une excellente surprise qui est sortie là en fin d'année 2015. J'avoue que le nom, tu m'aurais dit de deviner de quoi ça parlait à partir du nom. Ouais, c'est vrai que c'est pas évident. C'est pas faux. Juste un petit mot, je crois que j'en ai parlé la semaine dernière pour One Punch Man, hein, qui a fait un succès colossal dans des ventes françaises. Hein, la réunion entre One, qui est un web... webcomic. Un webcomic, merci. Donc voilà, qui est un japonais, qui est assez discret et qui faisait des webcomics sur Internet. Tout ça, et le dessinateur Yusuke Murata, qui a dessiné Aishil 21. La réunion de ces deux donne One Punch Man, qui s'est énormément vendu en France. C'est un vrai succès, donc pour l'histoire du héros Saitama, qui n'a aucun charisme et qui pourtant peut battre tous ses adversaires en un seul point. Voilà, c'est du grand n'importe quoi. Donc, gros coup de cœur pour One Punch Man, qui réussit très bien. Un autre coup de cœur pour une série animée qui vient d'un jeu vidéo, c'est God Eater. Oui, tout à fait. Donc God Eater, c'était un jeu qui est sorti sur PSP à l'origine. Ouais. Je crois que c'est... Donc en gros, ça se passe dans un monde qui a été complètement dévasté par des créatures appelées Aragami. Mmh. Donc en gros, c'est des bestioles mais qui dévorent tout ce qui est vivant, en fait, que ce soit plantes, humains, animaux. ils dévorent tout. Donc ce qui fait que les humains se sont terrés dans des espèces de forteresses un peu à l'abri, puisque les Aragami sont des créatures très puissantes avec énormément de pouvoir. Et donc ils ont créé une arme qui s'appelle le God Arc, qui est des espèces une épée qui peut se changer en arme à feu, enfin qui peut changer de forme. Qui fait 3 fois la taille des gens qui les portent. Et donc pour affronter les Aragami, sachant que n'importe quel humain ne peut pas porter un God Arc, il faut passer des tests avant pour savoir si on est compatible, puisque c'est des armes qui sont un peu vivantes. Et donc le héros, c'est un jeune homme qui s'appelle Utsugi Lenka, qui a vécu à l'extérieur, donc par miracle, il s'en est sorti sans se faire bouffer. Il va se trouver dans la forteresse Fenrir. Il va s'avérer qu'il est compatible pour manipuler un God Arc. Donc il va rejoindre une unité et affronter les Aragami. Donc une histoire qui va se développer autour de plusieurs personnages, sur les origines des monstres, de ces créatures, d'où elles viennent, pourquoi elles sont là, pourquoi elles bouffent les humains, tout ça. Donc c'est un anime que j'ai trouvé très bien fait, une espèce de 3D, fait dans une espèce synthèse, de 3D, image de synthèse,
Mais qui est très réussi, qui fait quand même très manga. Un mi-chemin entre de l'animé, enfin du manga et du jeu vidéo, en fait. C'est plutôt pas mal foutu, franchement. Ouais. Ou alors, une histoire qui est assez prenante, qui reste assez classique, finalement, mais avec quand même quelques passages bien. Mais avec des passages bien trippants, quand même, ouais. Bien excellents, des personnages assez charismatiques. Il va pas révolutionner les scénarios d'animé japonais, mais c'est plaisant à voir, c'est fluide. Et surtout, c'est vrai qu'il y a des nombreux passages qui sont vraiment trippants. Et du coup, on le regarde vraiment pour l'action. Et bon, je sais que tu l'as pas fait, mais moi, j'ai fait le jeu vidéo et je dois dire quand même que c'est que l'ambiance est assez fidèle. Donc ça, c'est une bonne chose pour les fans du jeu et pour les fans de l'animé. Ouais. Donc ouais, c'est une bonne réussite. Il y a 13 épisodes, la série est terminée. Donc j'espère qu'il y aura une saison 2, puisque ça reste prometteur. Surtout qu'il y a eu d'autres épisodes de God Eater en jeu vidéo. Oui, God Eater 2, notamment, qui est sorti au Japon il y a quelques temps. Donc une très bonne surprise, God Eater, on vous invite à aller voir. C'est sur ADN, Anime Digital Network, il me semble. ça va arriver au cours de l'année. C'est aussi des bonnes nouvelles. Un nouvel animé pour D. Greyman, le manga de Katsura Oshino, qui est un excellent shonen, vraiment très très noir, dont le héros Alan Walker doit se faufiler parmi les bestioles qui peuplent l'univers de ce manga. Donc il y avait eu une première adaptation animée il y a quelques années, parce que D. Greyman, c'est pas tout jeune, hein, ça a une dizaine d'années facilement. Le premier animé est tout simplement pourritissime. On espère que ce reboot de l'animé sera cette fois-ci à la hauteur du manga, qui est un excellent shonen qui sort les doigts du cul, lui au moins, contrairement à Naruto par exemple, qui reste quand même un peu trop plan-plan. Ça arrivera également cette année dans le même cas des reboots, c'est celle de Berserk qui parle plus aux vieux maintenant. Berserk qui avait déjà eu une adaptation animée mais qui était bonne mais qui n'était pas allée jusqu'au bout. Cette fois-ci, a priori, la promesse c'est que la nouvelle animée de Berserk aille plus loin. En tout cas, j'espère bien. Parce qu'il y a à peu près 38 volumes en manga et la première adaptation animée allait jusqu'au 7e volume, guerre plus loin. Donc on espère que l'animé Berserk, qui est une œuvre culte au Japon, ira plus loin. Et pour finir, moi c'est mon petit coup de cœur, ça arrivera en 2017. Vous ne connaissez peut-être pas encore, mais on en reparlera, du jeu vidéo Fate Extra, qui est un jeu qui s'était sorti sur PSP il y a quelques années, qui est un bon jeu, qui est vraiment un très bon jeu de l'univers de Fate. Je vais pas tout décrire parce qu'on n'a pas le temps. Et bien ce jeu vidéo là va être adapté en animé, c'est prévu pour l'année prochaine. Et pour les Japonais sont heureux parce que quand on leur demandait les jeux vidéo qu'ils aimeraient voir apparaître en animé, c'était le numéro 1 pendant des années. Fate Extra, le jeu sorti sur PSP, va être adapté en animé. On aura le temps d'en reparler, les gars. Merci en tout cas de nous avoir suivis. Qu'est-ce que tu nous fais écouter ce soir, Nicolas? On va s'écouter la chanson de fin du jeu Child of Light, donc qui est un excellent RPG développé par Ubisoft. Et c'est la chanteuse Cœur de Pirate qui a composé toutes les musiques du jeu, et c'est elle qui chante d'ailleurs à la fin dans la chanson qu'on va écouter tout de suite. Voilà, merci Pierre-Marie. Merci à toi Nicolas. La semaine prochaine, si je dis pas de bêtises, on aura les jeux que vous connaissez pas. C'est ça, ouais. Voilà, une nouvelle rubrique, et on fera aussi le test d'un petit jeu de level 5 qui s'appelle Little Battler Experience. C'est sorti il y a déjà un petit moment, mais bon, voilà, mieux vaut tard que jamais. Voilà. D'ici là, passez une excellente semaine et rendez-vous la semaine prochaine sur GameMoney30.fr et sur Radio Campus. Ciao, bye bye! Ciao! Salut! Your path.
those creatures won't let you go. So hang on to what you know. So sail on, you golden girl, and fight against those fears. I'll be with you in your dreams of a world without a queen. And I'll be awaiting for the light that guides us through the worst of nights. And I'll be waiting for a sign. You're coming back, and you have found your path. You're coming back.